Konnichiwa, Gannin et Gandin, c'est Massa, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour la petite revue de Banshee, que vend-il ce jeudi. Donc tout ce que vous allez voir au niveau des armes sera valable du 22 décembre jusqu'au 27 décembre 18h. Et par contre, au niveau des modes, ils seront valables uniquement du 22 décembre jusqu'au 23 décembre 18h. Allez, sans plus attendre, on va se rendre à la tour. Et le temps d'arriver sur place, on voit ce qu'ils nous vendent de bon ensemble. Maintenant, nous sommes arrivés à la tour, on va bien sûr aller voir un peu plus sur notre droite pour avoir Banshee qui va être juste en face de nous. Allons-y. Et donc au niveau des armes, on a toujours le Syncope 53 qui pourrait être pas trop mal pour du PVE, donc avec hors-la-loi et armor pan. N'oubliez pas hors-la-loi, quand vous faites un frag de précision, vous allez recharger nettement plus vite. Vous avez un chargeur d'appoint qui vous permet d'avoir plus de munitions, c'est plutôt pas mal. Et vous avez soit le rainurage forgé pour avoir un maximum de portée, ou alors le canon rétréci pour avoir un peu plus de stabilité. Et une pièce maîtresse de portée. C'est pas le goal roll, mais pour du PVE, il est plutôt pas mal. Je penserais même à des champions, si vous voulez faire du champion avec, c'est plutôt pas mal. Au niveau du Luninalata, par contre, on n'a pas beaucoup mieux, hein, donc avec ensemble et puis un prêté pour un rendu. Comme je vous disais, je préférais plutôt quelque chose de ce type-ci. Donc, avec donc télémètre et pierre tombale, et surtout pierre tombale, mais également avec tige de flèche en fibre de verre et également la corde élastique qui fait un bon combo ensemble. Au niveau du Snorri FF5, on n'a pas beaucoup mieux, donc avec surplus et source, ça peut aller ensemble, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Comme je vous disais, le combo qui serait à préférer, ça serait plutôt celui-ci. Donc avec intensification et salve accumulée qui serait nettement mieux au niveau des dégâts et du DPS que vous allez pouvoir causer avec. Sur le Cantat 57, eh ben, j'espère que vous avez pris celui de mardi, qui était de bien meilleure facture. Alors... effet retardé est vraiment très très bon, hein, que ce soit en PvE ou en PvP, mais en PvP plutôt. C'est tir à la hanche qui m'embêterait un peu plus, hein, j'aurais préféré quelque chose de ce type-ci si on veut effet retardé. Donc il sera plutôt avec une configuration de cet ordre-là, donc avec coup rapide et effet retardé qui sera de bien meilleure facture. Après j'aurais préféré avoir canon allongé ou canon forgé plutôt à ce niveau-ci, je ne l'ai pas, mais bon, canon rétréci plutôt pas mal, mais c'est surtout le combo tir rapide, enfin oui, coup rapide pardon, et effet retardé qui est plutôt mieux que ce qui est proposé. Au niveau du Palmirabé, on a amplificateur et puis frénésie, pourquoi pas, ça peut être pas mal du tout. Malheureusement, ben ici on va pas avoir cartouche à impact par exemple, qui aurait été vraiment très très bien avec ce combo là, je vous le conseille pas du tout. Et enfin on a le Tepan 4FR avec un combo qui est pas forcément top top, donc Genèse et puis Frénésie au niveau de la batterie, pourquoi pas. Le frein à tête de flèche était plutôt pas mal, mais je vous conseillerais plutôt, comme je vous avais déjà indiqué, donc soit celui-ci si vous voulez faire du DPS en escouade, hein, donc en groupe, avec peloton et puis triple détente, la batterie améliorée qui vous permet d'avoir une munition supplémentaire, le frein tête de flèche vraiment très très bon pour avoir une direction de recul contrôlée au maximum, on n'a pas les 100 mais 99, on s'y approche fortement, ou alors si vous êtes en solo, plutôt ce type-ci, donc pareil avec frénésie et puis triple détente, hein, qui est vraiment un bon combo, le reste ne change pas. Donc voilà, ça va être tout pour les armes. Et au niveau des modes, on a donc la crosse de contrepoint qui vous permet de contrôler le recul de l'arme. On a l'ajustement du ciblage qui sera plus utilisé en PVP qu'en PVE. On a donc le chargeur de secours qui peut être à la fois utilisé en PVP et en PVE, mais surtout en PVE. Et enfin, on a l'amplificateur de radar, hein, qui vous permet d'avoir un radar augmenté. Donc vous avez une distance de détection des ennemis qui est plus importante. Pourquoi pas. Voilà, ça va être tout pour Banshee. Donc on va finir avec les modes proposés par Adawan. Comme d'habitude, je vais laisser le chemin en entier à partir de l'annexe, hein, pour les nouveaux joueurs qui ne sauraient pas exactement où se trouve Adawan dans ce cas-là. À partir de là, on tourne sur la gauche et on va voir Adawan qui va être juste en face de nous. Oui,
Donc au niveau des modes, on a le ravitailleur de fusil à fusion, hein, qui est vraiment un très très bon mode, hein, que ce soit pour le PVE ou le PVP, hein, les deux sont vraiment très forts dans ces deux cas-là. On a le détecteur de munitions de fusil à pompe, hein, qui est vraiment très très bon également, hein, qui vous permet de récupérer des munitions, donc ça, ça va très bien ensemble. On a l'excellent mode attisement de la flamme, hein, qui vous permet en fait, lorsque vous réanimez des gardiens à terre, d'avoir une explosion de soins, donc ça leur permet de retrouver un peu plus de soins, et ça c'est vraiment pas mal. Et enfin on a le puits d'endurance, hein, qui permet d'augmenter en fait la durée des puits élémentaires qui sont créés, donc c'est plutôt pas mal, hein, et ça va plutôt bien si vous voulez accentuer votre DPS, hein. Donc c'est vraiment les deux modes que je vous conseille, en plus des modes pour le pompe. Voilà, ça va être tout pour cette petite revue de Bungie, donc ce sera la dernière de cette année 2022 d'ailleurs, puisque la prochaine fois qu'on verra une revue de Bungie, on sera en 2023. Allez, sur ce, on en reste là pour cette revue, hein. Je remercie toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, toutes les personnes qui ont pris le temps de la regarder. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, probablement la vidéo de Xur demain soir. Et sur ce, gardiens et gardiens, je vous dis sayonara et prenez bien soin de votre spectre.